parmi le peuple, il faut marcher derrière la foule, Oscar Wilde, mais je l'ai pas... D'accord. C'est déjà pas mal. Cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Mais partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace. On n'avait pas la CBA, papa. Et rien, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés, sans papier. Ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remontent à fond. Mais on lâche rien. 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 Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons, on les a crus. Démocratie fait moins marrer, si c'était le cas, on aurait su que paye notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con, mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la honte d'un Airbus. Au fond, qui se règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont les plus grands. On lâche rien, 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 on lâche rien. Y'a des luttes, y'a de l'espoir, tant qu'y a la vie, y'a du combat. Tant qu'on vainc, c'est qu'on est debout, tant qu'on est bon, on lâchera pas. La rage de vin coule dans nos veines, maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Partigiano, porta mi via, Jean-Michel Blanquette. Le beau. Allez, je...
sur l'air de Alouette. Alouette. Et Blanquette t'es pas dans ton assiette. Et Blanquette tu nous fais caca tête. Tu veux nous fumer le primaire, mais on te laissera pas faire. Tu as gelé nos salaires, mais on te laissera pas faire. Et nos retraites. Et nos retraites. Et nos retraites. Et nos retraites. Pas dans ton assiette. Et Blanquette, tu n'en fais qu'à ta tête. Tu veux nous fumer le primaire, mais on te laissera pas faire. Tu as touché nos salaires, mais on te laissera pas faire. Et nos retraites. Et nos retraites. Et nos retraites. Et nos retraites. Amoureuse, enfin même de passage que je rendrai heureuse. Je me sens tellement seul que j'en ai le vertige. Je sais, je suis pas le seul, mais toi, au moins tu piges. De cette solitude, j'ai fait mon ordinaire. Pour prendre l'habitude, j'ai laissé le temps faire. Tu vois, mon vieux Jean-Louis, là-haut la lune est pleine. Je sens bien que moi aussi, mais j'ai tellement de peine.
boire ça chauffe le cœur, même si ça nique le foie. Pour sortir de la torpeur, que veux-tu, je bois. Allez, mon vieux Jean-Louis, serre-moi donc une dernière. Je me sens un peu aigri pour tout dire, je suis amer. L'envie se recroqueville, il va falloir s'y faire. Le monde part en vrille et qu'il aille donc se faire. On parle, mais il se fait tard. C'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à boire. On parle, mais il se fait tard. C'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à boire. Donc, à la fin de la manifestation, vous êtes tous et toutes invités à rester pour préparer la suite du mouvement Rue Mégevant en face du théâtre. C'est un le que l'on m'attarde, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est un le qui se soulève, qui souffre et se met en l'air. C'est un le qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tu sais maintenant comment, tu sais maintenant comment, tu sais maintenant comment ton histoire commence. On joue sa vie comme on joue au flipper. Déjà tout le monde crie de bonheur en bonheur. On te donne trois balles, on te donne trois balles, on te donne trois balles, la dernière t'es un vieux. T'en vas dans le dernier trou, le dernier j'ai pas le peu. Des damnés de la terre, et on m'a désigné comme bouc émissaire des clandestins errants. On marche du Sacré-Cœur aux gamins foudroyés dans un transformateur. Regarde-la cette France,
que tu as méprisée, celle des sans-papiers, précaires, handicapés, celle des suicidés, harcelés ou turbains, forcés de trimer plus pour gagner toujours moins. Il pleut, il pleut, il pleut, tu peux plier bagage. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage. Ils ont partagé le monde, et un dernier temps. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour t'attirer. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour t'attirer. Et ils veulent... Ah, y'a pasta, y'a pasta, y'a pasta. À l'Assemblée Générale, à la Fac des Lettres, rue Méjouan. Assemblée Générale, ça rime avec la Générale aussi. On allait tous à l'Assemblée Générale, on a décidé qu'on allait à l'Assemblée Générale. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. On est pas les gilets jaunes.
C'est nickel. Une enceinte pour pouvoir causer tous et faire une AG qui se tienne où tout le monde s'entend. Mais faut qu'on ramène le camion, désolé. Lâchez rien. Notre pays était un sec, était un sang, il n'y avait pas d'argent. Eh bien, nos anciens, ils sont réunis et ils ont inventé la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, elle nous permet de bénéficier des retraites. Et aujourd'hui, c'est tout ça qui est en train de disparaître avec cette loi inique que nous ne voulons pas. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ? L'idée de cette Assemblée Générale n'est pas de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette loi. Bien sûr que nous ne sommes pas d'accord. L'idée, elle est de s'organiser pour faire plier ce gouvernement qui utilise tous les moyens pour nous mettre à sec et nous faire capoter. Nous devons être plus forts que lui. Et pour être plus forts que lui, déjà les Assemblées Générales se sont réunies. Et nous sommes parti sur l'idée que la loi du nombre, le rapport de force, elle est déjà établie par la loi du nombre. Et pour cela, nous vous demandons à chacun d'entre vous d'aller tracter, d'aller expliquer en quoi cette loi, elle est pas possible pour nous, car nous n'avons pas envie, après une vie de labeur, de vivre dans la pauvreté et encore dans la précarité. Donc il faut absolument mobiliser pour que la loi du nombre soit notre point fort. Et ensuite, la deuxième idée, c'est que la loi du blocage. Économiquement, notre système y tient maintenant à flux tendu. Si en une semaine, on bloque tout, l'économie, elle sera bloquée et le gouvernement sera obligé de plier. Nous avons donc deux objectifs, à la fois mobiliser nos familles, nos voisins, nos amis, et nous avons, et nos collègues, bien entendu, et la deuxième chose que nous devons faire, nous devons nous organiser pour bloquer l'économie, bloquer intelligemment l'économie pour que Macron et tous ceux qui sont là au-dessus nous disent « Stop, on a compris, on retire cette loi ». Pour cela, nous devons nous organiser. Alors aujourd'hui, c'est pas très simple parce qu'on est dehors. C'est, voilà, on aurait mieux aimé être devant un tableau et tout ça. Mais voilà. Je ne sais pas exactement quoi vous dire maintenant. Donc s'il y en a d'autres qui veulent nous dire des idées de blocage, des idées d'organisation, eh bien le micro est à eux. Partout, tout le temps, partout, tout le temps, partout, tout le temps. Partout, tout le temps. Ouais, aujourd'hui on est nombreux, on est encore nombreux dans la rue.
mais il faut absolument qu'on soit tout le temps dans la rue et nombreux, très nombreux. C'est comme ça qu'on va le faire plier le gouvernement. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on ne soit pas tous dans la rue le samedi aussi. Il faut qu'on engage un rapport de force. Il faut en parler partout. Le samedi, c'est sûr que, voilà, on a tous notre petite vie, nos trucs, mais il y a un moment, il faut engager le rapport de force. Il faut bloquer. Et justement, plus on sera nombreux dans la rue, plus on occupera la rue, plus ils seront dans la merde. Voilà, ça, ils sont en train de foutre notre modèle social français en l'air, qui était là pour justement nous protéger des aléas de la vie. Ils sont en train de tout foutre en l'air, tout ce qui est collectif, tout ce qui est solidaire et tout ça, ils sont en train de tout foutre en l'air pour une société à l'américaine. Et ça, on n'en veut pas. Et on n'en veut pas pour nos enfants, on n'en veut pas pour nos proches et tout ça, on n'en veut pas de cette société. Donc il faut montrer qu'on n'en veut pas, il faut être disponible, il faut être sur les blocages, il faut être dans les manifestations, tout est complémentaire. Et c'est que comme ça qu'on va y arriver. Il faut absolument qu'on soit nombreux, il faut convaincre les gens, et on arrivera à nous bloquer. Merci. Même si Macron ne veut pas, nous on est là pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. Écoutez, il y a des salariés en grève ou pas, il y a des gilets jaunes, il y a tout le monde aujourd'hui, on est tous, en tant que citoyens, on a tous envie, si on est resté là aussi, de continuer l'action. Donc moi je voulais dire deux choses dont on a parlé hier à l'AG et qui sont importantes. Il faut qu'on se retrouve tous les jours, donc tous les jours il y aura une AG qui sera proposée parce qu'on a besoin de se voir, on n'est pas, voilà, les Facebook et compagnie c'est bien, mais quand on se voit, qu'on parle, qu'on échange, même si on n'est pas d'accord, il n'y a rien de mieux. Donc on vous propose une autre AG ici à la fac, on trouvera un amphi, si on n'a pas on en prendra un. On vous propose 17h, ceux qui peuvent venir qu'un peu plus tard après le boulot, venez après, mais logiquement après 19h c'est compliqué de garder l'amphi, donc à 17h c'est pas mal. Tout le monde est invité, il ne faut pas attendre que les syndicats nous disent quoi faire. Voilà. Les syndicats, c'est nous, c'est le peuple depuis le début qui a construit le syndicalisme, qui a construit la culture de la lutte. Donc c'est nous qui devons faire ce qu'il faut pour nos retraites. À partir de là, ce qui est important, c'est qu'on puisse proposer rapidement une action de tractage, on en a parlé aussi aux dernières AG, dans le privé. Donc aller tracter dans les entreprises à Besançon pour aller parler avec nos camarades du privé, leur expliquer pourquoi on est là. Pour la plupart du temps, ils sont d'accord, mais ils connaissent pas forcément leurs droits. Donc c'est important de leur rappeler qu'ils ont le droit de faire grève dans le privé. Donc voilà, moi je vous propose, tous ceux qui sont intéressés par du tractage, on a déjà un tract qui est tout prêt, on n'a plus qu'à l'imprimer. Ceux qui peuvent imprimer, les syndicats, là ils sont utiles. Pardon Julien, t'es utile à plein d'autres choses, mais ils sont là. Ceux qui veulent faire des petits groupes pour aller tracter, on peut déjà en discuter, se mettre d'accord et faire quelque chose demain matin s'il y a des gens qui sont disponibles. Et puis, venir vraiment nombreux demain à l'AG, c'est super important pour décider de la suite. On saura ce fameux appel des syndicats à la grève pour jeudi, c'est sûr qu'il y en a un. Je rappelle que la CGT cheminot au niveau national a déjà annoncé qu'ils sont en grève pour un bon moment et que de toute façon le gouvernement pourra causer, ça ne changera rien jusqu'au retrait. Donc, de toute façon, ça va s'inscrire dans la durée, il va y avoir des mouvements forts, mais nous, au local, c'est ici notre QG, c'est la fac, et on se retrouve ici tous les jours. Donc la petite proposition par rapport à demain, ce que vous propose, ce que dit Cathy, c'est excellent, c'est-à-dire que demain, on aura l'information sur la grève de jeudi avec encore l'heure de manifestation. On va faire voter vite les choses, qu'on a toujours peur que tout le monde parte très rapidement. Qui est pour demain se retrouver à l'AG à 17h à la fac de lettres? Ouais. Ouais. On va dire c'est majoritaire pour 17h, c'est bon? Ouais. On fera un tract assez rapidement avec des forces vives là. Dès ce soir, on aura plus d'informations et on va se faire comme on a fait ce matin. On était un bon groupe ce matin pour tracter dans les boîtes, ça a bien fonctionné, ça a bien ramené le monde dans les manifs. On va recommencer, on fera des groupes, on pourra se réinscrire, il y a une liste. Ah, normalement, la liste de mails, on l'a encore ou pas? Moi, j'ai pas. On va refaire une petite liste peut-être disponible avec des mails pour ceux que ça intéresse et qu'on vous redonne l'information assez rapidement pour élaborer les groupes de tractage. Ce matin, on a tracté
sur les ateliers municipaux, la poste, très tôt le matin, il y a eu aussi chez Bourgeois qui a été fait, ça a très bien marché et très bien accueilli par rapport à des salariés. Donc il faut qu'on se mette d'accord et qu'on fasse un réseau assez rapide pour pouvoir permettre à continuer par rapport à ça. Les amis, attention, il faut faire attention de falloir se la faire mettre à l'envers, parce que demain, l'Édouard va faire des annonces pour diviser. Il va par exemple proposer aux profs d'augmenter leur salaire en début de carrière, ce que Blanquer a déjà fait. Il va par exemple proposer de reculer la date d'entrée en vigueur de sa réforme. Nous étions tous ensemble, toutes générations confondues, toutes professions confondues, nous devons rester ensemble, rester solidaires et continuer de bloquer. Bon, il y a un camarade qui fait passer une liste pour les adresses mail, pour les numéros de téléphone, pour les contacts. Voilà. C'est lui. Il a fait passer. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut parler de blocage autant qu'on veut. On pourra, autant qu'on peut, bloquer ce qu'on pourra. Mais au nombre qu'on est, tout le monde est bien conscient que ce n'est pas suffisant. Pourtant, le mouvement est loin, loin de s'essouffler. On a des remontées de tout le pays. Quelques chiffres. À Perpignan, par exemple, 7000 personnes. Et toutes les villes. Et ça, il faut se... Bon, les réseaux sociaux peuvent le dire, mais des manifestations de grande ampleur, il y en a eu aujourd'hui partout dans tout le pays. Mais on sait que ça ne suffira pas, le camarade vient de le dire. Philippe, demain, il va nous annoncer de la poudre de perlimpinpin. Rien, il n'y aura rien demain, il n'y a rien à attendre de ce qui va être dit. Par contre, la seule façon efficace de bloquer l'économie, de bloquer le pays, c'est de faire grève. C'est la grève. Et la grève, chacun là où on est, faire des collectifs. Ne l'oublions pas. On pourra bloquer les ronds-points, on pourra bloquer les raffineries de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur des entreprises que viendra le conflit. Que je suis dans la rue, on n'en parle pas beaucoup, parce que 1 200 € par mois le SMIG, c'est pas assez. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, on parle des retraites, tout, mais on ne parle pas du SMIG. Et les jeunes qui travaillent avec 1 200 €, c'est pas possible de travailler, de payer un loyer, une voiture, parce qu'on en a besoin pour aller au boulot, hein, et le téléphone, parce qu'il y en faut pour être contacté, hein, et puis les courses, l'alimentation qui augmente tout ça, la seule chose qui n'augmente pas, c'est le SMIG à 1 200 €, c'est une honte. Il y a aussi quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les origines du problème, elles ne sont pas que de ce gouvernement. Elles sont aussi dues à un système constitutionnel, une constitution de la 5e République qui s'est acharnée pendant plusieurs dizaines d'années, des décennies, à tout faire pour ne laisser aucune place au peuple. Quand le peuple a réclamé sa place qui lui revient de droit, c'est-à-dire au sommet, on l'a écrasé, maltraité. Donc maintenant, il est temps également d'exiger une 6e République, une nouvelle Constitution. Parce que la Constitution, c'est la norme des normes. C'est là où découlent toutes les lois. Tant que la Constitution ne va pas changer, le gouvernement ne changera pas. Il faut des mandats impératifs. Pourquoi quand le peuple élit un représentant, le peuple ne peut pas le démettre? C'est quand même anormal. On nous a traités de gamins, de pauvres, de chiens. Toute la journée dans les médias, on nous a méprisés. Alors maintenant, il faut prendre notre revanche, une revanche nationale. Ce gouvernement a détruit la France. On n'arrive plus à faire de centrales nucléaires. On n'arrive plus rien à faire. On n'arrive même plus, en cas de catastrophe naturelle, à réparer les dégâts.
c'est quand même, on va devenir un pays du tiers-monde. Et apparemment, ce gouvernement n'a qu'une chose, mettre la France en coupe réglée et la piller. C'est notre travail qui pille. La joie, il y a toujours du monde, ça me fait plaisir. Tous ensemble. Voilà, donc moi j'ai entendu plusieurs discours là d'une personne qui est dans la rue. Mais au niveau de la retraite, est-ce que vous avez bien entendu ce qu'ils ont dit, ce gouvernement de merde? Moi je dis qu'on devrait se donner tous la main, faire comme en Algérie, descendre tous dans la rue. Il ne faut pas lâcher, il ne faut rien lâcher. Moi, quand je pense qu'il y a des femmes, je m'adresse aux femmes, aux jeunes femmes, à l'heure actuelle, aux femmes qui ont eu des enfants, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, comment elles vont faire pour vivre? C'est une honte. 10% sur leur retraite, une femme avec deux gosses ou trois gosses, on lui supprime 10%. Il y a quelque chose à faire et il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Maintenant, je reviens au blocage. Moi, depuis le début du mouvement, j'ai toujours été gilet jaune. Le seul problème, c'est que moi, je me suis retrouvé au chômage en 2017. J'ai retrouvé, à mon âge, j'ai retrouvé du travail. Je suis content. Mais voilà, les horaires, c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc, mais à chaque occasion, même, je dis bien, même s'il y en a qui m'entendent dans la rue, même s'il y a des gendarmes, la police, j'en ai rien à foutre, je descendrai dans la rue. Cassez-les dehors, cassez-les dehors, cassez-les assassins, cassez-les assassins, la police. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, tous ensemble, ouais. Quand un voleur vous prend votre vélo, votre portefeuille ou n'importe quoi, vous dites c'est un voleur, on le condamne. Quand un gouvernement vous confisque votre argent, vous donne une misère, ça s'appelle de la spoliation des citoyens. Et ils ont le droit de le faire. Il faut absolument qu'on arrête cela. Sinon, on va se retrouver esclaves, taillables et corvéables à merci. Je voudrais juste dire une petite chose, que les rassemblements de ce type-là, à savoir les manifestations, faut pas que ça se limite à un aspect vitrine, à savoir que le politique, il se joue aussi dans ces moments d'interstice, entre les moments où on se retrouve dans la rue. Ce que je voudrais dire par là, c'est que ça se joue aussi dans les actions de blocage, vous l'avez entendu plein de fois, mais je le répète, en fait, les AG, elles ont pour propriété d'être assez frustrantes parce qu'ils ne se décident rien de décisif. Ça se joue autour des AG, à savoir, parler entre vous, venez nous voir, c'est-à-dire les gens qui participent au blocage, juste pour qu'on puisse s'organiser, en fait. C'est hyper important, quand je vois le nombre qu'on est, si les nuits, on était ce nombre-là, je vous assure qu'on pourrait faire de grandes, 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 grandes choses. Voilà, l'esthétique manifestation, c'est magnifique. On n'en reste pas à l'aspect vitrine maintenant. Il s'agit de péter les vitrines, vous voyez ce que je veux dire. Péter la vitrine, il s'agit de se regrouper. Voilà, mais voilà, s'organiser. Et puis que voilà, le politique se joue aussi entre ces moments-là. Donc voilà, faut pas par réseau d'amitié, organisons-nous. On est là, voilà, parlons entre nous. Et puis voilà, des liens d'amitié se créeront et on demande que ça. On demande que ça. Et donc, pour conclure cette Assemblée Générale, je rappelle, à 17h demain, ici, dans un amphithéâtre, nous nous réunirons
et nous organiserons la riposte au gouvernement. Avec une assemblée générale, une nouvelle assemblée générale de lutte et de grève, à l'issue de la manifestation, comme on a fait aujourd'hui. Parce qu'on se rend bien compte que, au-delà des manifestations nombreuses, et aujourd'hui on était nombreux, malgré les conditions dans lesquelles cette manifestation a été organisée et appelée, hein, c'est pas une journée comme le 5 décembre qui était programmée depuis 3 mois, hein, on l'a fait en 24 heures, donc c'est pas mal. L'objectif c'est que jeudi on soit encore plus nombreux et qu'il y ait une nouvelle assemblée générale à laquelle on invitera l'intersyndicale, c'est ce que je vous propose, dans la mesure où elle acceptera de venir, bien sûr, hein, on ne la force pas. Mais en tout cas, on ne coupe pas les ponts pour essayer de maintenir une cohésion entre ceux qui suivent plutôt l'intersyndicale ou ceux qui suivent plutôt l'Assemblée générale. Voilà. Donc c'est ce qu'on fera demain matin, nous, solidaires, à 11h, et on vous en rendra compte, bien sûr, à l'Assemblée de 17h. Ouais, c'est bon, tout le monde. Donc qui c'est qui a envie de continuer la manifestation là ? Ici dans cette assemblée, vous êtes le levain d'une prochaine révolte. Une révolte sans précédent. Donc il faut continuer à s'indigner. Indignez-vous ! Révolte !